Hey, bonjour tout le monde, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, nous allons regarder un site web et pas n'importe quel site web. Aujourd'hui, nous allons regarder le wiki LGBTA. Alors, pour commencer, c'est quoi le wiki LGBTA? Ben, c'est assez simple, c'est un wiki LGBTA qui regroupe plus de... Regardez, il y a plus de 6000 pages. Il y a quasiment 7000 pages. Du coup, sur ce LGBTA Wiki, comme je l'ai dit, on peut retrouver à peu près tous les genres. Regardez, maintenant, si on va dans, dans les pages populaires, il y a des sexuality, il y a ça, il y a l'aspect identity. Ok, ben c'est ça, ok, ouais. Il y a les genres, il y a les xénogenres, il y a les identités, enfin c'est ça. Il y a des terminologies, je crois que c'est ça comme ce qu'on dit en français, je sais pas. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver les pages les plus loufoques du site, qui sont limite à la limite du troll, ok? Parfois, je me demande si c'est pas juste des trucs faits pour le troll total, parce que avec plus de 7000 pages, il y en a forcément des trolls sur ça, sachant que c'est un fandom. Attends, je vais commencer à vous en... Je vais vous en montrer un dans la barre de recherche, ok? Que j'ai mis... dans la miniature, ok, que je trouve totalement con, le creeper gender. Alors, on va cliquer dessus. Vous allez voir. Donc, voici le drapeau du creeper gender, je vous lis, ok. Le creeper gender est un genre défini par sa connexion au creeper, putain. Sa connexion au creeper de Minecraft. C'est un xénogenre qui a été fait pour les neurodivergents, je sais pas, ok. Bon. Donc, selon Google Traduction, c'est un xénogenre qui a été conçu pour les individus neurodivergents. Ok, voilà. Donc, c'est un genre qui a été conçu pour les individus neurodivergents. Pourtant, tout le monde peut utiliser le terme. Quelqu'un qui est creeper gender peut avoir un genre qui... That might feel aggressive. What the fuck? Hein? Un genre... Attends, non, mais là... Quelqu'un qui est creeper gender peut avoir un genre qui peut sembler agressif. Hein? Un genre agressif? Impulsif, mystérieux, explosif. Ou avoir n'importe quelle autre qualité qui ressemble au mob. Ce genre peut aussi être lié... au mob ou son esthétique en général. What the fuck? Donc, Creeper X est un genre similaire aussi connecté au Creeper. Hey, tabac! It may explode into many more gender or may destroy other gender. What the fuck? C'est quoi? Vous faites un lore sur la communauté LGBTQ? C'est quoi ça? Ensuite, en prochain genre, on a Cripe Gender. C'est quoi ça? On voit. Non vérifié. Ça commence super bien. Le genre n'est pas vérifié par le staff. Par l'équipe du staff. Donc ça peut inclure des informations fausses. Aïe, ça me pète les couilles. Ok, donc. Le crab gender ou le pancake gender in French. Donc, ouais. C'est un food gender. Un xénogenre dans le système de boulangerie française connectée avec... Pardon? Non mais... c'est ok, t'aimes les crêpes. Ben moi tout, j'aime les crêpes, mais pourtant je suis pas un crêpe gender. Genre c'est bon les crêpes, mais ça s'arrête là. Ok. Animé sexuel, c'est quoi ça? Non ben ça commence bien. Partiellement non vérifié. Partiellement, comment tu veux partiellement ne pas vérifier une page web qui est aussi petite que ça? Ça te prend littéralement 5 minutes à vérifier. Ok, bon. Ça va être à nous de lire, on va vérifier si c'est de la bullshit ou non. Okay. Anime sexual, also known formerly as anime sexual. Ok, donc. Anime sexual. Aussi connu avant comme animé sexuel, manga sexuel ou Emina
Big Tick, what the fuck, man. Donc c'est un entité là, une forme de sexualité fictive. Ok, donc en gros t'es exclusivement ou presque exclusivement attiré par des personnages d'anime ou de manga. En gros, des êtres humains. Afenphosmophobian. What? C'est quoi ce truc? Hey, non mais y a combien de pages non vérifiées? Tu peux m'expliquer? Genre, what the fuck? Donc, Afenphosmophobian, c'est un xénogenre encore. Ou un neurogenre connecté à la peur d'être touché. Hein? Tu te fous de moi là? Est-ce que le site web se fout? Est-ce que t'es en train de me dire que ça, ok, c'est juste la phobie d'être touché? Pourquoi tu fais un genre sur ça? C'est tout. C'est ce genre, ok. La Afenphosmophobian, ok. C'est tout simplement juste t'as peur d'être touché. C'est pas un genre. On appelle ça une peur. What? Regardez ce que j'ai trouvé. Atomic bomb abrosexual. What the fuck? C'est quoi ça? What the atomic bomb? Abos is absolument rien d'intéressant à dire, genre. Ok. Ça a aucun rapport en fait avec ce que ça fait. The fuck. Bambigué. What the fuck? Attends. Non vérifié. Allez, j'espère. Colis. Ok, donc. Un bambigué, un faillite sourire ou un benigué, c'est un de ces trucs-là. Je préfère les caméras. Les câlins, ben c'est les câlins. J'en appelle à la terre. Ok, c'est parfait. Donc, c'est quelqu'un qui préfère des câlins, des bisous et ou autres actes d'affectionnement ou. Tant que c'est pas sexuel en fait. Ok. Mais c'est juste ceux qui préfèrent faire des actes d'affection comme des câlins, etc. plutôt que de fourrer. Pourquoi ça s'appelle bambigué, ok? On dirait juste un putain de genre zoophile. Pourquoi ça s'appelle bambigué, tu m'expliques? Bon, Toulan. Ok, donc Toulan, c'est un... Un umbrella du Terraria Gender. Donc, on va aller voir. Ok. Qui est en quelque sorte relié ou influencé par les ennemis de Terraria qui spawnent au-dessus du sol. On va aller voir c'est quoi le Terraria Gender. Parce que sinon, on va jamais comprendre. Mais juste là, ça a l'air assez chelou. Okay, donc le Terraria Gender, c'est un xénogenre ou un game gender qui est en quelque sorte relié ou influencé par le jeu vidéo Terraria. Voilà. C'est tout ce que... C'est... Non, c'est... Je comprends pas, en fait, genre... Pourquoi ça existe, en fait? Genre, il y a vraiment des gens qui s'identifient comme ça, genre, eux autres ont des attirances, ou ils ont des genres reliés, mais juste à Terraria, là. Juste à Terraria. Tu sais, c'est... Voilà. Tu sais, évidemment, il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont logiques dans ce set, mais t'en as d'autres, genre un peu toutes les pages que je vous ai montrées aujourd'hui, qui font pas de sens.
On dirait presque que c'est du troll. C'est n'importe quoi. Mais bon. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, parce que là, je vais pas continuer ça. C'est déjà assez le bordel. J'ai déjà assez de la misère à comprendre dans ma tête comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai peut-être une deuxième vidéo parce qu'il y a sûrement des pépites. Si vous avez des pépites sur ce site, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires ou dans mon serveur Discord qui se trouve aussi dans la description. Et puis moi, je vous dis bye bye les gens!